Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale pour vous annoncer tout simplement l'arrivée d'un pack starter. Donc un pack starter c'est quoi en fait chez nous? Ça va vraiment être un pack prêt à pêcher pour les débutants qui va tout simplement en fait vous permettre de débuter la pêche dans les meilleures conditions. Donc dans le pack starter on a inclus vraiment je pense tout ce qu'il faut pour pouvoir pêcher convenablement quand vous débutez et surtout quand vous êtes perdu au niveau du matériel de pêche, parce que je pense que vous le savez pour ceux qui pêchent depuis un petit moment. Il y a tellement de matos qu'au moment de débuter, on est un peu perdu, on ne sait pas quoi choisir, il n'y a pas énormément de guides. Sur YouTube, il y en a quand même de plus en plus, mais c'est pas très simple. Donc je vais vous présenter tout simplement ce qu'il y a dans le pack starter. Le pack starter ne sera peut-être pas encore disponible au moment de la vidéo, mais en tout cas, il va arriver très bientôt. De toute manière, toutes les infos seront en description. Normalement, le prix de vente, ça sera de 129 €. Il y en a pour plus de 180 € d'équipement à l'intérieur. Mais ça, toutes les infos seront dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et bien évidemment, sur notre site internet, www.thefisherbox.com, vous serez tenu au courant sur Facebook, par mail. Enfin voilà, vous aurez toutes les infos nécessaires. On commence rapidement avec la présentation. Premièrement, donc c'est tout simplement une canne de brin. Hop, il y a le deuxième brin là. De chez Dewa, donc je vous la montre très rapidement. Donc c'est une Exceller, alors le modèle précis c'est la 662 MHFS, donc une canne spinning. C'est du 7,28 g, donc vraiment quelque chose de très polyvalent, qui va ce qu'on appelle type une cam M ou une cam MH, donc vraiment qui va vous permettre de pêcher tout, perche, chevaine, brochet, black bass, sand, vous allez vraiment pouvoir tout pêcher avec, surtout jeter la plupart des leurres du marché. Beaucoup de leurres sont entre 10 et 20 grammes et vous allez vraiment pouvoir les jeter avec. Au niveau des finitions, on essaiera peut-être de vous faire quelques gros plans, c'est vraiment très joli, c'est du Dewa, c'est sobre, c'est noir avec quelques petites bagues dorées, quelques petits les ligatures qui sont dorées. Vraiment quelque chose de très polyvalent, un de brin qui fait 1,98 m de longueur, donc pareil dans les 2 mètres, c'est la taille je pense la plus polyvalente qui vous permettra de pêcher aussi bien en milieu encombré qu'en milieu très ouvert et de jeter plutôt loin. Le moulinet dessus, c'est la grosse particularité, c'est vraiment ça, on a vraiment été fan de trouver ça, donc c'est toujours de chez Dewa, c'est le Regal PE Tsuki. Donc c'est un moulinet qui est vraiment très très fluide pour cette gamme de prix là, donc c'est du milieu de gamme. Pareil, moulinet qui va bien avec la canne, sombre, à peu près couleur noire, légèrement grise, avec les petits liserés dorés, donc en plus ça fait vraiment un très joli ensemble. Mais la particularité surtout, c'est qu'en fait la tresse est déjà pré-montée dessus. Ce que je pense que vous le savez aussi, quand vous avez débuté la tresse, c'est pas évident à monter de la tresse sur un moulinet, à bien l'enrouler, à faire ça bien, à pas trop l'enrouler. Donc là, la tresse est déjà prémontée dessus. Une tresse qui est tout simplement adéquate avec l'ensemble. Donc voilà, tresse déjà prémontée dessus. Donc canne, moulinet, ce n'est pas tout, justement, c'est ça l'avantage. C'est, on a pensé à vous mettre du fluorocarbone. Donc là, c'est du 30 centièmes en 50 mètres, donc simplement pour pouvoir faire vos bas de ligne. En plus, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver les différents nœuds de raccord pour pouvoir raccorder votre tresse et votre fluorocarbone dans les meilleures conditions. Donc 30 centièmes, c'est un diamètre plutôt polyvalent, mais voilà, si vous voulez vraiment pêcher les brochets, il faudra mettre un avançon un petit peu plus gros pour pouvoir le pêcher. Autre élément très important quand on débute, c'est les agrafes. Donc là, toujours pareil de chez Dewa. D'ailleurs, là, c'est aussi c'est du Dewa, c'est du Prorex. Donc, des agrafes en taille M, ça équivaut à du taille 1. En résistance, c'est du 18 kg, donc il y a de quoi faire avant que vous vous fassiez casser l'agrafe. L'avantage de l'agrafe quand on débute, ça évite de faire des nœuds à chaque fois qu'on change de leurre, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et ensuite, ce que vous aurez bien évidemment en plus, c'est tout simplement une box avec un assortiment de leurres dures, de leurres souples et de telles plombées pour aller avec les leurres souples. Comme ça, vous serez tout simplement prêt à aller pêcher. Donc ce sera une box classique qui aura une valeur de 34,90 € en prix d'achat, qui y aura bien évidemment plus de 40 € de l'heure à l'intérieur comme d'habitude. Donc ça vous fait vraiment un ensemble très complet et qui va vous permettre de débuter dans les meilleures conditions. Donc si vous êtes débutant, je pense que c'est difficile de faire mieux. Là, vous recevez tout ça chez vous. Ça sera en plus de l'expédition en 48 heures. Ce ne sera pas comme les box. On expédiera tout directement à la commande. Vous n'aurez pas à attendre des fois jusqu'à un mois pour recevoir votre produit. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça peut vous intéresser. Voilà, on a eu cette petite idée-là depuis un petit moment. On a mis un petit moment à la mettre en place. Là, ça va arriver très prochainement. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Toutes les infos sont en description ou sur le site thefisherbox.com. Là-dessus, je pense vous avoir tout dit. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.